l'empereur Napoléon a engagé la plus formidable reconquête de notre histoire. Et le voici, l'empereur est de retour. Lorsqu'il a débarqué à Golfe-Juan le 1er mars dernier, il avait prophétisé et annoncé « Soldats, venez vous ranger sous les drapeaux de votre chef. La victoire marchera au pas de charge. L'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Alors vous pourrez montrer avec honneur vos cicatrices. Alors vous pourrez vous vanter de ce que vous avez fait. Vous serez les libérateurs de la patrie. Et depuis une semaine, le parcours emprunté a suivi le seul itinéraire possible, celui de la confiance et de l'adéquation politique et républicaine, au milieu de ses amis et de ses fidèles soutiens. L'empereur est de retour. Ce que la Révolution avait imaginé, Napoléon l'a réalisé. En 15 ans de pouvoir exercé aussi bien par le premier consul Bonaparte que par l'empereur Napoléon Ier, voici ses principales réalisations. La Légion d'honneur, le Conseil d'État, les archives nationales, les préfets, le Code civil, le Code du commerce, le cadastre, la Cour des comptes, le code pénal, les cours d'assises, le dépôt légal de publication, l'ordre des avocats, la Banque de France, le trésor public, le franc, le baccalauréat, les lycées, l'université, les écoles normales, l'école militaire de Saint-Cyr, l'organisation de l'école impériale polytechnique, le premier régime de retraite, le corps des pompiers, le premier article du code de la route, la conduite à droite, la vaccination, l'interdiction du travail pour les enfants de moins de 10 ans, la liberté des cultes, la remission de l'Inquisition en Espagne, le drapeau français tel que nous le connaissons aujourd'hui. Je m'arrête là, mais il y en a d'autres. S'il a choisi cette route, c'est parce que son objectif est Grenoble. Il sait que s'il met le pied à Grenoble, il est déjà à Paris. C'est à Grenoble que le destin de la France va se jouer. Mais il faut arriver jusque-là. Et c'est à la fraie que tout va se décider. Ce blocage n'a qu'un nom, le Sar. C'est le général Bertrand qui vient parlementer. Napoléon sait très bien que Bertrand et le Sar se connaissent. Ils étaient ensemble aux pyramides. Eh oui, le Sar est un ancien des campagnes d'Égypte. Il s'avance calmement, entouré d'une poignée de paysans. Mais le Sar ne fait pas un bon accueil au général Bertrand. Le silence est lourd. De l'état-major sont-ils formels? Ouvrir le feu sans hésitation si l'armée ennemie cherche à franchir la fraie. Car il est hors de question que l'usurpateur et ses fantoches républicains atteignent Grenoble. C'est à ce moment-là que Napoléon comprend qu'il est temps d'agir. La situation a assez duré. Il écarte les hommes de la garde qui l'entourent et s'avance de quelques pas. Il se retourne vers eux, leur ordonne de mettre l'arme au pied et leur fait promettre de ne pas tirer, même si on faisait feu sur lui.
calmement et souriant, il s'avance seul vers les fusils du 3e bataillon du 5e régiment. Il s'adresse au chef de bataillon. Le tsar, reconnais-moi, je suis ton empereur. Nous avons combattu ensemble en Égypte. Te souviens-tu de ton courage? Et combien tu t'es battu à mes côtés pour défendre notre idéal de français? Mais voilà que le capitaine Rambaud, là de ses discours, crie « Chef de bataillon, faites votre devoir! Faites tirer sur l'ennemi !» Alors Napoléon regarde les soldats qui restent immobiles. Il ouvre sa redingote et leur dit « Soldats, s'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur, me voici. » Qu'il tire. Se passe. Le tsar s'avance vers Napoléon et l'embrasse. Jaillit alors de toutes les poitrines des soldats du 5e de ligne comme un même cri. Vive l'empereur!